Salut Internet, c'est Kamoff, en chair et en off. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale parce que j'ai pas l'habitude de montrer des membres de ma famille. Je suis avec ma petite cousine, elle a 15 ans, elle vient d'avoir 15 ans d'ailleurs. Et pour son anniversaire, elle s'appelle Mélissa. Et pour son anniversaire, on lui a offert, donc moi et ses parents, tout ça, on lui a offert une voiture sans permis pour qu'elle puisse se déplacer, pour qu'elle évite de prendre le bus, pour éviter de lui acheter un scooter et pour qu'elle puisse se déplacer en toute sécurité. Mais c'est ce qu'on croyait, parce que le scooter, c'est vrai que c'est dangereux. Et les métros, les bus, à Marseille, les gars, quand on est une jeune fille de 15 ans, ben, je peux vous garantir que ça peut poser problème des fois. Donc, on a dit, bon, on va lui faire un cadeau commun et on va lui acheter une voiture sans permis. Donc, Mélissa, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, t'étais à un feu rouge et il s'est passé quoi? Explique-moi. Des garçons se sont mis en scooter devant ma voiture. Au feu rouge, donc, t'étais au feu rouge. Un scooter devant ta voiture? D'accord, donc il est venu le mec avec un couteau à ta fenêtre. Tu avais la fenêtre ouverte? Oui. Donc toi, quand ils t'ont sorti le couteau... T'as pas cherché à comprendre. Ok. Tu as porté plainte, tu m'as dit? Oui, j'ai porté plainte. Tu as cherché avec ton père? Ton père, il m'a dit, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait fait un peu le tour, il avait pas trop... Oui, moi, ce que j'accepte pas, c'est que c'est ma petite nièce et que elle soit traumatisée aujourd'hui parce que ben, c'est carrément... Elle s'est fait menacer avec un couteau à 15 ans. Je pense pas que ça soit correct. Nous, on lui a acheté la voiture, tous ensemble, pour que justement... Elle soit pas emmerdée pour justement qu'il n'y ait pas d'agression, pas de ci, pas de là, et au final, ben on lui vole la voiture quand même. Ça fait même pas 2 mois qu'elle a la voiture, elle est neuve la voiture les gars. Elle est neuve, archi neuve. Et hier, il y a 2 petits merdeux qui sont venus, qui s'en prennent à une femme parce qu'ils sont très courageux, avec un couteau, encore plus courageux que ça, et ils sont venus la menacer avec un couteau pour lui voler la voiture. Donc comment, tu vas monter avec moi. Après, il y a le caméraman, il va venir avec nous. Et on va aller faire un tour des quartiers que je connais moi, pour voir si on voit pas la voiture quelque part. Ok? Parce que tant c'est même des gens que je connais. Tu vois ce que je veux te dire, mais ils savent pas que tu es ma petite nièce, mais tout ça, donc on va faire ça. Je vais appeler 2-3 collègues à moi, les gars, que vous connaissez déjà. Ils vont venir avec moi en renfort au cas où, mais j'ai déjà une petite idée à la tête. Donc Mélissa, tranquille, on prend la voiture et on y va tous les deux avec le caméraman. Les gars, on y va, on va chercher sa voiture et si on la retrouve, on se remettra à filmer. Allez, go. Ouais. Noubi, tu peux appeler, oui. S'il te plaît, appelle Farid, appelle Franck, appelle Thomas, s'il te plaît. Parce que j'ai ma petite nièce là, elle vient de se faire voler la voiture, frérot. Je vais aller dans les quartiers un peu, tu as vu, je veux pas y aller tout seul, on sait jamais. On se rejoint à la poste, au parking de la poste, je vous récupère là dans 10 minutes. Vas-y, c'est bon, je les appelle de suite. Vas-y, à de suite. Là, j'ai appelé quelques potes à moi que vous connaissez, les gars, parce que si je la vois dans un quartier, j'ai pas envie d'y aller tout seul, on sait jamais, les gars. On sait jamais ce qui peut se passer. Au moins, on est un peu nombreux, tu vois. Je vous explique, les gars. Ma petite nièce, hier, elle fait rouge, il y a 2 bâtards, ils sont venus, en scooter, ils l'ont bloqué. Et ils ont sorti un couteau et ils ont pris la voiture sans permis. Il y en a un, il est reparti en scooter. Là, à côté de la maison. Ils ont sorti un couteau, il y en a un, il est reparti avec le scooter, l'autre, il est reparti avec la voiture. Mais elle a pas porté plainte? Si, mais bon, qu'est-ce qu'il fasse, les flics? Ah ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, les gars, je vous ai appelé pourquoi? Parce que je vais faire un peu le tour des quartiers, là. Ouais. Et je vais voir si je vois pas la voiture quelque part. Envoie-moi une photo, je veux pas que tu viennes avec nous parce que ça peut partir en couille. Tu es mineur, j'ai pas envie que t'arrives des problèmes. Envoie-moi la photo de la voiture sur téléphone avec la plaque d'immatriculation. Comme ça, moi, quand je l'ai, si je la vois, je peux pas me tromper. Et comme ça, toi, je te ramène chez ton père, ouais, et je veux pas qu'il y ait de problème. Des spéciaux sur la voiture ou pas? Moi je la connais la voiture, je sais à quoi elle ressemble, mais la plaque d'immatriculation je l'ai pas. Comme ça moi quand j'ai la plaque, si je la vois, je sais que je me trompe pas. Bah les gars on y va, merci d'être venu. Ouais, Thomas, merci. On prend la voiture mon frère, t'es assuré, franchement t'es un monstre. Loubi, toujours présent aussi. Franck, merci mon frère, je sais que tu as jamais été parti dans les vidéos. En tout cas t'es un vaillant parce que tu t'es porté volontaire, t'es un monstre, je t'ai appelé, tu as répondu cash. Merci mon frère. Les gars on y va, on monte dans la même voiture. Je te ramène chez ton père et nous on va faire un tour en voiture, ok? Allez c'est parti. Au cas où ils sont plusieurs. Et que j'ai pas envie que mes collègues ils se fassent éclater. J'ai prévu ça. Ça c'est un petit plus. Ça, c'est vraiment le bonus. Donc, je vous le dis pour YouTube et pour tous les gens qui regardent cette vidéo, c'est des grenades à blanc. C'est des vraies grenades, d'accord? Mais à blanc. Il y a une goupille, je tire, ça explose, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de projectile, il n'y a rien du tout, c'est inoffensif. Même si ça me pète dans la main, ça ne me fera rien dans la main. Et YouTube, si vous voyez cette vidéo, c'est à blanc, c'est inoffensif, d'accord? Vous le voyez, c'est à blanc, ça se trouve sur Amazon, ça peut-être, tu vois? Donc, à blanc, voilà. Allez, les gars, on y va. Bon, les gars, on va au quartier. À côté là, juste à côté, on fait le premier quartier. Regardez tous derrière. Je sais que vous êtes collés, vous êtes 4 derrière. Mais essayez de regarder, vous avez tous vu la photo. Ouais. Si vous voyez la voiture, vous me dites les gars. Non, attends, il y a une crosse là-bas. Tu crois? Tu veux que j'aille demander? Non. Non, il n'y a pas la voiture, c'est vrai. Tiens, il y en a une là. C'est pas elle, c'est pas elle? Non. Non, putain, dommage. Putain, j'ai cru. Pas la même marque. Ouais. Putain. J'ai cru aussi, frère. Eh ouais, t'imagines, là, je la trouve, je suis content. Hein. Putain. Premier quartier, deuxième quartier qu'on fait, on la trouve, c'est magnifique. Hein.
On t'a dit c'est des mecs de quartier, c'est même pas des mecs de quartier, tu vois. Par toi, frère, moi je sens permis. Jure-le. Tête de ma mère grise. Quoi, qui roule? Elle est en train de rouler. Devant le Kangoo, frérot. Mais non. La tête de ma mère. Ah ouais. C'est pas elle? Eh non. T'es sûr? Eh ouais, certain. Ah, putain, t'es, j'ai cru, gros. Ah, je t'ai dégoûté. Imagine, on tombe nez à nez face à ça, tu vois, ce serait trop bien. Trop bon, frérot. On sort à 6 de la voiture. Je pense que le gars, il est pas con, frérot, pour. Ah frérot, c'est des débiles, moi je te dis, c'est des débiles. Ouais, les mecs qui font ça, ils ont pas de cerveau, frérot. Ça m'étonnerait pas qu'ils en avec là, tu vois. Ils soit les brûlés, soit ils s'amusent avec, ils font de TB. Voilà, pas trop de solutions. Bon, tu sais quoi, Alex, de toute façon, on va pas filmer sans temps parce que ça va nous prendre peut-être l'après-midi, tu vois. On va arrêter de filmer. On va faire encore quelques quartiers. Si on trouve pas, ben tant pis, cette vidéo elle sera pas sur YouTube. Mais si au moment où je vous parle, vous voyez cette vidéo, c'est qu'on l'a retrouvé, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ce qui s'est passé. Les gars, vous restez là, dans la voiture, ok? Restez là dans la voiture, moi je vais y aller avec la petite grenade que je vous ai montrée. Si jamais ça, c'est pas suffisant, à ce moment-là, vous venez. Ça va les gars? Je vous dérange pas? Je vous dérange pas? Non, je te dérange pas, toi. Non, c'est tranquille. Frérot, y'a quoi? Elle est à toi, la voiture. Elle est à toi? T'es sûr qu'elle est à toi, la voiture? Vas-y, frérot. C'est très bien que tu es en train de mentir, vas-y. Allez, laisse-moi prendre la voiture. Non. Alors, on discute ou pas? Pourquoi tu prends la bouteille, toi? Vas-y, pose la bouteille, frérot, s'il te plaît. Vas-y, pose la bouteille. Je vous explique. Je vais vous expliquer calmement. Je suis pas ici pour chercher la merde. Je suis pas ici pour venir faire des problèmes. Ma petite nièce, elle est venue hier. Elle s'est arrêtée à un feu rouge. Il y a des mecs qui sont venus devant, ils ont sorti le couteau. Ils ont pris la voiture, ils sont partis avec. Vas-y, ferme ton cul, casse-toi. Frérot, je suis en train de parler calmement. Casse-toi, je suis là. Commence pas à faire. Bon, parce que je vais te parler. Après, si vous êtes pas d'accord, je m'en vais, y'a pas de problème. On discute. Je suis pas ton âge, frérot. Tu vas partir pas avec. Mais moi, j'ai pas ton âge. Tu comprends? Et alors? Respecte, frérot. Tu veux respect des anciens? Respecte. T'as pas le pas d'âge? Tu pas partir à poil, t'as étant de là. Quoi? Là, les gars. Allez, allez. Non, mais frérot, c'est ma petite nièce, elle a 14 ans. Vous avez pris la voiture. Ah, j'ai pas que vous l'avez volé, Alex, c'est pas toi. Toi, tu l'as volé, c'est pas vous l'avez volé. Ok, d'accord, ok, ça va. Mais par contre, la voiture, c'est celle-là. La plaque d'immatriculation? C'est celle-là. La voiture, le modèle, c'est celle-là, je la connais le poste et tout. C'est sa voiture. Frérot, je te dis un truc, tu veux pas d'embrouille, casse-toi. Maintenant, on est 5. On est 5 à maintenant. Mais parce que vous êtes 5, ça y est? Frérot, alors, j'ai plus quoi? 5 avec une bouteille? Bien, les gars, vous êtes courageux. C'est bon. Et vous voulez quoi? Vous voulez en arriver jusqu'où? Vous voulez où? Arriver où? Je comprends pas. Tu m'arraches la voiture, c'est tout. Donc, la voiture est pas à toi, non? D'accord, si, elle est à nous, frérot, elle est à nous. Eh ben, t'as les papiers, t'as quelque chose, t'as la carte grise. Tu es pas flic, par contre, je suis un tonton. Alors? T'as compris ou pas? Je suis un tonton. Ça veut dire que si je suis un tonton, je fais mon rôle de tonton. Non, non, tu peux récupérer la voiture. Ma nièce. J'ai ta mère de là, j'ai ta mère de là. Maintenant, c'est notre voiture, tu vas voir le contrat avec, je te le dis direct. Mais frérot, est-ce que vous voulez que j'en prenne un par un, on fait une tête quelque part? C'est pas un tonton, c'est un tonton, tu vois? Parce que vous êtes un petit Montréal. Frérot, là, je te dis, arrête de faire l'ancien, là, tu es en train de me casser. Pas parce que tu es un ancien, mais si tu continues, gros, on va t'en faire fort. On va t'en faire fort. Tu comprends ce que je dis? Les gars, je vous donne 100 euros chacun. 100 euros. 100 euros. On en a rien à foutre. Et je m'en taille. On veut juste la voiture. On en a rien à foutre de si tu veux. On gardera la voiture, puis c'est tout. Donc même 100 euros, c'est. Mais bien sûr que c'est rien. Mais chien, là. Casse comme tu es, toi. 100 euros, tu le bas, tu fais non, ça va pas. Toi, veux pas 100 euros, toi non plus, tu t'es. 100 euros. Non. Maintenant, parle bien, toi. Commencez pas à vous approcher. Commencez pas, là, vas-y. Recule. Recule, t'as. Merde, là, toi, vas-y, recule. On fait quoi? Je l'explique gentiment. C'est joué, ça. Tu as joué à Call of Duty, c'est pas Call of. On est pas dans Call of, les gars. On est pas dans Call of. Ferme, ok, je vais te l'ajouter sur toi. Sur toi en premier. Je vais. Donc, les gars, là, ça, vous connaissez? C'est un dessin. C'est pas un jouet, d'accord? Moi, je me dis, la voiture, quitte à vous la laisser, je la fais exploser. Et j'explose avec, j'en ai rien à foutre, moi j'ai rien à perdre. Tu rigoles? Tu rigoles? Les gars! Dernière fois, qu'est-ce que tu as peur? Les gars, là, pourquoi vous rapprochez pas comme tout à l'heure? Vas-y, rapproche-toi toi avec ta bouteille, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tape-moi, vas-y, la bouteille. Mais du coup, je m'en écoute, frérot! Parce que.
Alex, suis-moi. Allô? Ouais, Mélissa, tu peux sortir sur le parking du collège? Eh, j'arrive là. Bon, on va lui faire la petite surprise parce que je pense que elle se doute pas qu'on a récupéré la voiture. Donc là, je vais l'y emmener, puis j'espère qu'elle sera contente. Et voilà! Voilà! Voiture récupérée! Tu sais qu'elle était en stress, hein? Eh ouais, je sais! Elle était pas bien du tout! Ah, vous lui avez rien dit au moins? Non, t'inquiète! Eh bien! Non, ils ont paniqué! Là, je crois pas! Je crois qu'elle a rien, la voiture! T'es choqué? Elle a rien! La prochaine fois, tu sais, quand tu es au feu rouge, garde toujours un peu de distance devant le feu rouge. Comme ça, 6 mètres devant, tu as encore de la marche pour te tailler. Tu vois que si tu colles le feu, tu es obligé de griffer. C'est quoi la prochaine fois? En vrai, ils te font un truc comme ça, rentre-leur dedans. La vérité. Tu prends, tu accélères, cherche pas comment. Tu vois deux mecs s'arrêter, descendre du scooter, tu traces. Trace, ça arrive trop souvent. Les gars, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là. Loubi. Même si ils sont venus vraiment par précaution, mais heureusement que juste avec la grenade, c'est pas en même temps. Il y a un mec qui vient avec une grenade comme ça, j'en connais pas beaucoup qui ferait les manets. Franck, merci mon frérot. Tu es un monstre, merci beaucoup d'être venu, tu es un tueur. Thomas, merci frérot. C'est vrai, toujours là, Thomas, ça fait des années qu'il est là. Farid, pareil. Et Loubi aussi. Hein. Merci à tous les gars. Quand vous arrivez à des feux rouges ou quoi, fermez les vitres, mettez des clims. Ne laissez pas la fenêtre ouverte pour faire le fanfaron, mettre la musique comme elle a fait ma nièce. Faut pas faire ça. À Marseille, tu fermes les vitres, tu te mets la clim et tu te renfermes dans la voiture. Première chose. Deuxième chose, quand vous êtes dans des files d'attente, que vous voyez qu'il y a du monde devant vous, ne vous collez pas à la voiture de devant. Parce que si vous collez à la voiture de devant et qu'on vient vous agresser, vous ne pouvez pas passer, il y a une voiture. Gardez toujours un peu d'espace pour pouvoir vous tailler. Deuxième truc. Troisième truc, si vous êtes devant un feu rouge et qu'il y a des gens qui veulent vous faire ça, ne vous arrêtez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle expérience sociale caméra cachée sur la chaîne principale. Et vous le savez aussi, le dimanche sur la chaîne secondaire à 18h, on sort une vidéo. Merci aux frérots qui sont là. Finalement, je n'ai pas eu besoin de vous. C'était plus si jamais, mais ils ont quand même été là, donc rien que pour ça, merci infiniment les gars. Et faites attention à vous, à vos proches, c'était Kamoff, ciao ciao.